La nuit vient de tomber, tranquille, on se retrouve autour de café serré, thé, vinasse, binouze, comme on n'a pas assez de flouze pour se poser au bistrot. Sèche le poteau, Rico, c'est dit Macoum, qu'on ses épaules. Dans les premiers instants, on squatte, on se mate, on se gratte l'épaule droite. Alors, qu'est-ce qu'on fout maintenant? Et là, on se hâte, on se savate, on se latte, tout ça pour savoir si on pourra ou pas passer le disque qu'on voudra, car certains ont pu dire à tort qu'en ce qui concerne les disques, j'étais dictateur. Mais ce verdict flirte trop avec une trique de flic. J'aime pas trop sous prétexte que je kiffe la zik, qu'on me compare à ces grosses stars de la politique. D'ailleurs, quand je tombe sur un disquaire, je demande pas au disquaire de m'aiguiller, juste un pote de m'égayer avec une trouvaille d'enfer. On se donne rancard car c'est moins triste une soirée pépère, y'a moins de risque de se tromper l'air. Voilà pourquoi je dis que j'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. Où je demeure? J'ai vu des rappeurs faire des impros de tueurs avec des gars qui font du rock and roll. Au début, ce n'était qu'une galipette assez drôle. Ils en ont fait un style qui pète, car dans cette piole, chacun s'adapte au style de l'autre. Et c'est ainsi qu'on capte, qu'on vit le moment. Ici, y a pas de Bible ou de Coran, juste l'envie de créer un instant musical, sous le velet d'âle culturel qui pèse sur nos sandales. D'intellectuel, on s'emballe, prise de tête de con, science existentielle. Un jour, je croise un mec, dread sur la tête, bref, le gars dont on se dit qui fait pas des claquettes, il commence à me parler de Brahms. Je pensais au cerf, j'ai failli faire un ulcère, tellement mes préjugés me rendaient vénère. Et c'est bien du compositeur qui me parla pendant des heures. J'avais soif ce jour-là, et mon intérêt n'est plus altéré qu'après une bonne écoute et un bon kawa. Puis il a fallu coûte que coûte qu'on termine cela sur du funky style made in USA. Car c'est toujours un bonheur d'écouter celui que même le prince surnomme le professeur. Ceux qui aiment la funk auront reconnu ma sœur par cœur. Par contre, pour qui c'est pas le cas, retenez bien ce nom, apprenez-le par cœur. Car j'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. Quand je repense à ces soirées, ça me semble limpide que leur effet, outre la transe, le troc, les cloques, fait bien vivre et c'est ça qui est gay. Car je retire toute une façon de penser, les bobos que j'ai essuyés. Si je l'avais pas fait, ça m'aurait coûté bonbon. Mais grâce à cette méthode, j'ai pas les pensées à rond. Car je pense donc j'essuie tout ça grâce au son. La musicothérapie, tu connais pas, je te conseille ça. La musique te ravit et il n'y a pas que le chant. Car comme le disait Clem, n'importe quel clic, clac, bang, bang, clang peut prendre un sens si c'est senti. Suffit de sortir sa coquille, troquer Bernard l'ermite contre Lubar, trouver un baluchon, le son pire qu'à Cuba. Basculer du côté obscurcissant sans jamais avoir peur de ce qu'on y voit. Voilà pourquoi je dis que j'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille, grâce au son, ils se mêlent aux hommes. J'aime les mille,